Mes amis téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour. Moi c'est Père Novla Garçon, paix dans diocèse Inchlan. Nous la matin pour nous capables l'ouvrir une série de émissions dans cadre célébration 50 ans fondation diocèse Inchlan. Diocèse Inch était fondé le 20 avril 1972 et dans 20 avril qu'a venir là, il va gagner 50 ans. Et le 24 avril, c'est pour la solennité jubilée diocèse Inchlan. Donc, nous organisons toute une série d'événements pour marquer et jubiler ça. Et parmi événements, c'est l'émission que nous l'ouvrons matin. Et première série émission ça, nous appelons sous histoire diocèse là. Qui l'a commencé, comment l'a commencé, à qui moun l'a commencé. Donc c'est l'émission ça que nous allons l'ouvrir pour animer là avec moi. Moi gagne mademoiselle Sardel Louisin. Bonjour Sardel. Bonjour Père Novla, bonjour tous téléspectateurs, téléspectatrices qui va regarder l'émission ça. Et nous gagnons deux invités dans la première série émission ça. Premier invité là c'est Révérend Père Romel Eustache. Bonjour mon père. Bonjour Père Novla. Bonjour Père Novla, bonjour Sardel. Bonjour tous téléspectateurs, téléspectatrices. Et moi, je voulais saluer en façon spéciale Frère Armand, qui est un témoin fondation avec l'histoire diocèse là. Moi, je voulais saluer l'évêque diocèse là, tout. Évêque diocèse là, après tout l'autre évêque. Moi, je voulais saluer Monseigneur Désino particulièrement pour toute initiative qu'il prend pour être capable de célébrer 50 ans existence diocèse là avec un pile éclat. Et moi je voulais saluer tout le monde dans le pays et dans le monde entier qui a une chance de garder émission ça. Et deuxième invité nous matin c'est révérend frère Franklin Armand. Bonjour mon frère. Bonjour, Franklin. Bonjour. Et bien voilà, et nous gagnons avec nos panel là qui déjà prêt pour nous capables d'ouvrir la série émission ça. Et bien comme quoi nous même qui t'aime commencer avec frère Franklin Armand. Et frère Armand, et encore une fois moi saluer vous. Et dans diocèse Inch, pour diocèse Inch, vous représentez en pile et diocèse là les fonder en présence et vous connaissez mieux que en pile monde l'histoire diocèse Inch là. Donc pour commencer, est-ce qu'on est capable de parler nous brièvement de vous-même? Qui côté vous sortez? Est-ce que c'est mon plateau central? Sinon, comment vous êtes arrivé au plateau central? Et puis, déjà, on a rentré dans l'histoire Fondation Diocèse avec vous. Bon, moi, je suis ancien frère de Sainte-Thérèse. Et la communauté a été envoyée dans le plateau central pour commencer avec noviciat. Et c'est comme ça. J'ai de très bons souvenirs depuis que je m'ai privé. C'est que nous n'avons pas de droit de monter la machine qui fermait. Avec nos vicieux, nous étions 8, nous étions montés dans le camion boîte. Nous étions chita derrière, en bas soleil. Et là, nous étions décomposés dans la machine. Là. Alors, il faut me dire que nous étions en soutane, blanc encore. Sous madame qui vient passer de l'eau en figure moins, elle est l'OM décomposé. Alors nous imaginez tout ça t'a dit. Mais tout ça c'était grâce bon Dieu. Et moi merci madame ça, moi merci bon Dieu tout, qui te permet que nous te fait voir ça. Alors route là pas de bon. Route là pas de bon. Et nous te dormi sur route. Route là t'es défoncé, nous faisons te coller au moins 10 fois. Et bon, tu t'es fait arriver. L'arrivée inch, pas de machine qui t'est venu papaye. Nous t'es obligé de quitter papaye à pied, quitter inch à pied pour nous venir papaye. Après toute péripétie qui t'est passée, avec soutane sous nous, pour nous arriver ici. Bien, alors frère Amand, le arrivé ici, est-ce que inch t'es déjà diocèse? Et dans quel moment et toute responsabilité dans diocèse là pour commencer. OK, diocèse là t'existe en 72.
moi-même, moi t'ai venu ici un petit peu plus tard. Moi t'ai venu 4 ans après. Et là, ça, mon Seigneur a dit pour compte lui. Pas de gain père dans l'évêché, pas de gain séminaire, pas de gain rien, pas de gain structure. Et c'est comme ça que mon Seigneur va l'inviter moi pour moi venir vivre avec lui. Et puis, pour nous commencer notre séminaire qui n'a pas existé. Vous voulez parler de Monseigneur, vous voulez parler de Monseigneur Jean-Baptiste Descosse, oui, qui est le premier évêque diocèse. C'est le premier évêque. Mais c'est un monde inoubliable, pas oublier, lui, un monde formidable. Joyeux, jovial, souriant, comme tout ça, courageux. Parce que bah, il n'y a pas de facile pour lui. Donc, l'arrivée vient dans le diocèse là comme frère Sainte-Thérèse, oui. C'est vous-même qui était responsable du séminaire. Oui, parce que j'étais en entente entre communauté MTA, le frère de Sainte-Thérèse et Monseigneur Descoste. Alors, l'homme vient dans le diocèse là, c'est même moment ça, tout un paquet de jeunes qui t'a demandé pour entrer dans le séminaire, pour qu'on ait un séminaire ici. Alors, Monseigneur Descoste dit moi, est-ce que tu es capable d'accepter accepter responsable du séminaire? Mais comme quand frère Sainte-Thérèse, je responsable de formation pendant plusieurs années, je suis un petit pratique tout petit. Et que zone fidèle zone diocèse là avec fidèle yo yo t'a pas bam sac manqué moi pour me capable remplir responsabilité ça. D'accord. Et n'a posé une dernière question après ça n'a pas le passer Sardel pour le passer avec Père Omel et au t'es responsable de petit séminaire et petit séminaristio et est-ce que dans moment ça collège Saint-Martin de Porès t'est fondé? Non, pas de collège, pas de collège. Alors Monseigneur gagne un neveu li Jean-Claude Jean-Baptiste il était fait appel à lui-même pour devenir responsable collège là pour commencer collège pour fonder là pour fonder collège et moi-même comme on était là avec tes séminaristes c'est-à-dire collège là avec tes séminaires il était doué proche et c'est pour ça que parce que ce bail qui t'a commencé et Jean-Claude Jean-Baptiste il pas de connaître diocèse là du tout moi-même bon. Comme communauté Pamnandi était déjà dans le diocèse là, nous avons connaissance quand même. Ça t'a facilité la tâche et ça t'a facilité la relation avec parents et élèves. Mais le ça, l'autre responsable du séminaire, qui côté t'es demeuré? Nous t'es resté dans la cour évêché. Parce que Monseigneur t'a gagné un petit caille dans la cour, il t'a aménagé lui et c'est là que nous t'es vivre avec le séminaire. Nous t'es à peu près aux dizaines. D'accord, merci vraiment d'avoir donné ça. Père Romel Eustache, ou c'est prêtre dans le diocèse Inch. Donc, parlez-nous un peu de vous, brièvement de ministère ou de séminariste jusqu'à ce que vous vienne paix et ou dans la paroisse Mirbalet. Donc, dis-nous un peu plus de vous. Ben, Sardel, moi, j'ai fait un petit castan dans un petit séminaire par pile et c'est grâce à Frère Amand, dans la même histoire, courte histoire, c'est fondation du séminaire. Frère Amand était responsable, des séminaristes externes pendant un an. Et après ça, je suis rentré en seconde dans le petit séminaire. Moi, je fais restant. Après ça, c'est avec nous, propédétique, là, commencé dans Pandiassou. Et première promotion, moi-même, Père Mérès, défunt Père Gétro, et puis Père Fito, et puis Cantave, qui lui-même pas arrivé paix. Et après ça, nous fait tant séminaire, nous, venu me faire stage ici, là, pendant un an, en 1994. Et puis, c'est Monseigneur Laroche qui était ordonné me paix le 13 août 1995. Première mission, moi, c'était dans la cathédrale Immaculée Conception, dans Inch, comme vicaire, sorti 7 octobre 1995, arrivé 27 janvier 1997. Là, ça, c'est Monseigneur Yves Lapierre qui était curé cathédrale. Là. Vine rivé, Monseigneur Yves Lapierre décidé pour lui capable prendre année sabbatique qui était vine tourner un détachement pour une mission dans États-Unis, dans Miami, dans West Palm Beach. Et puis, Monseigneur Laroche était obligé de prendre une décision pour que comble vide cathédrale. Là. Père Guy Crasséus qui était directeur Santé Maïs Lessa, il m'a nommé
pour les capables de venir tourner curé cathédrale là. Et moi-même, 14 mois comme vicaire, les nommés pour me capable de venir directeur centre Emmaüs. Et moi, passé là 2 ans et demi. Et puis, le Monseigneur Kibo vient arriver dans le diocèse là. Ben, il dit, ben voilà, vous faites un bon travail dans Santé Maïus, mais il t'a bien bon pour le spécialiser ou laisser vous capable de faire un bon service. C'est comme ça, moi, quitté et moi, aller en France, côté, mal passé 4 années, 3 mois pour me faire des études et côté, me faire une maîtrise en sociologie avec catéchèse et une autre maîtrise en anthropologie avec liturgie. Donc, pour me être capable de venir. Et pendant ta étude ça, moi j'étais responsable une grande communauté haïtienne qui sortit dans 8 diocèses qui environnaient Paris. Yo il est à l'île de France et c'est là moi fait une belle expérience, une belle mission qui permet moi capable gérer par exemple une paroisse Tancoumir-Baleine à Vinsoli qui une paroisse multiforme. Donc c'était une belle expérience pastorale. Et pendant étude ça yo, ça te permet moi tout pour m'être capable de mettre en pratique ça que m't'ap étudié yo. Donc pendant m't'ap étudié, moi te gain chance faire plusieurs expériences, travail dans pastoral dans États-Unis, dans Guadeloupe, dans Martinique. Et l'aime tourner dans diocèse là le 11 novembre 2003, Monseigneur Kebro t'est nommé au lieu que m'connais ma vie de Saint-Émaïs. Et c'est ça l'église. Lettre nomination pour recevoir son lettre nomination pour me donner économe diocèse. Donc, ça a été un petit genre bouleversé parce que je me dis, Monseigneur, je ne vais pas étudier chiffres, c'est lettre moins saute faire. Donc, on nomme économe. Bon, ça te permet tout, mal faire des études en sciences administratives. Donc, qui était très profitable. Et puis, après, Monseigneur vient nommer mes sites là. Venu ici là dans Santé Maïus, côté me passé 14 ans. Donc, ça a en total 18 années ministère que moi passé dans Santé Maïus. Et tant ça, non, pendant tant ça, bon Dieu, te ban moi la grâce pour me capable d'initier sa nouvelle modernisation Santé Maïus là, qui vient tourner yon en pire au lieu diocèse la gagne. Moi, j'ai eu la chance d'administrer paroisse Mamontou pendant 2 ans et demi, pendant que curé paroisse là était malade, il n'était pas capable de remplir mission. Moi, j'ai fait un pile mission ponctuelle tout à l'étranger, dans la formation liturgique pour la communauté haïtienne qui vivent à l'étranger. Et sorti 2008, arrivé jeudi, moi, j'ai passé environ 15 ans à faire formation séminariste dans grand séminaire dans domaine liturgique et m'était fait un an tout à enseigner catéchèse. Donc je quitté 17 janvier 2018 Monseigneur Désinor t'est décidé nommer moi comme curé paroisse Mirbalais paroisse Saint-Louis de France de Mirbalais et sorti 6 avril 2018 rivé jodia c'est là m'a exercé mission moi ministère moi et puis avec une belle communauté chrétienne qui remet bon Dieu, qui remet l'Église et une communauté qui est très ancienne, qui a préparé pendant qu'on a célébré 50 ans diocèse là. Eh bien, communauté paroissiale Mirbalais a préparé pour l'année prochaine pour célébrer 300 ans d'existence. Nous savons que vous faites un bel parcours, un parcours qui est très enrichissant. Donc, nous remercions pour le service dans l'Église là, pour tout ça que vous portez à Fidelio, à monde que vous rencontrez, connaissances que vous partagez. Merci un peu, Père Romel. Mais ma faute, c'est tourner sur Frère Aman. Non, t'a expliqué tout à l'heure à un parcours. Nous voyons que c'est un monde qui sorti dehors, département centre, qui vient faire service li à la communauté. Moi, après, je connais. Qui côté moun ki côté ou yé ki côté ou fait est-ce que c'est nos grande ville nos petites localités etc. Merci. Moi c'est mon Port-au-Prince. L'arrivée l'aime de 17 ans, m'étais décidé entrer en religion. Bon. Mais ça qui frappe toujours dans l'évangile, c'est Jésus simplicité li et puis Jésus est au paysan. Et je me suis dit que je m'ai choisi une communauté qui est proche paysan. C'est pour ça que je suis allé à Frère Saint-Thérèse.
et m'entrer là tout jeune. M'étais obligé gagner pile bagaille, m'pas de faire la caille, m'étais obligé faire dans communauté. Et c'est comme ça moi passé moi passé 12 ans là et moi était responsable jeune pendant 8 ans, responsable formation novice et c'est comme ça bon Dieu te permettre moi venir papa. Et c'est comme ça me connais papa. Une expérience qui enrichit moi qui te fait me souffrir. Mais en même temps, l'expérience m'a marqué toute vie. Je ne peux pas oublier papa et avec l'expérience que j'ai fait là. Et puis, donc, mon Seigneur d'Écosse, qui était pour contre lui, il pensait que faut que j'ai une nouvelle congrégation diocèse la gagner. Et c'est comme ça que il m'a demandé est-ce que je voulais commencer avec Fréo. Bon, ça c'était un bagage qui n'est pas facile pour me répondre. Mais finalement, moi, je crois que bon Dieu, il te voulait ça. Moi, je dis, mon Seigneur, oui. Mais là, mon Seigneur, relève-moi pour commencer la communauté. Il pensait que, moi, je pensais que c'est lui-même qui t'a pris à initier la formation, qui t'a pris à écrire pour la congrégation. Après, il dit, non, c'est vous-même qui fait ça. Moi, je voulais que c'est vous-même qui écrit, c'est vous-même qui forme les frères, et c'est vous-même qui initie la communauté à l'Andiocèse. Donc c'est comme ça que nous fait pas de ça Payo, nous réunir avec Payo et c'est comme ça tout le monde d'accord pour communauté a commencé. Et c'est comme ça que Dieu s'est là dans plusieurs côtés tu voyais des jeunes pour venir frère. Donc c'est comme ça que communauté a pas commencé. Mais aux communautés qui pas facile. C'est aux communautés paysans. Puis c'est moi-même me dis exactement que moi c'est Jésus qui était paysan. C'est Jésus qui était proche pauvre, c'est Jésus qui était proche la nature. Donc les frères venir kounia, donc faut te faire formation yo. Et c'est comme ça que mon Seigneur d'Écosse pour aider l'autre père qui était dans diocèse là pour aider parce que nous t'es comme petit monde gâté diocèse là parce que pas de quoi une congrégation qui fait la dani et là ça toute père yo t'es entouré nous. Et je ne peux pas oublier parce que tu as aidé nous moralement et économiquement. Et de très tôt, tu as permis moi d'aller aux États-Unis, tu as permis moi de prendre contact. Et puis après ça, dans la maison générale, tu as aidé moi économiquement pour nous gagner des fonds pour nous faire communauté à marcher. Donc c'est des choses que je ne peux pas oublier du tout. Ensuite, mon Seigneur d'Écosse n'est pas vivre longtemps. 8 ans après, il mourit. Il me changeait que l'aile était malade, il me menait à l'hôpital. Et c'est devant moi qu'il mourit. Et avant de mourir, il me dit que je me demande pour continuer à occuper frère, occuper œuvre communautaire. Bon Dieu, prends-le avec lui. Bon Dieu, mettez-le bon côté lui. Il me croit la vie sur le diocèse là. Il me pensait que mon Seigneur d'Écosse priait lui. Intervention de bon côté bon Dieu favorable à Dieu c'est ça parce que moi-même depuis mon petit dans l'église là me pas beaucoup j'aime Dieu c'est dans pays qui gagne et potentialité Dieu c'est ça gagner et fécondité lui gagne plus que son père moi même pas fin comprendre ça pas fin comprendre que ça l'esprit saint dit moi-même au Dieu c'est qui n'ont pas quatre monde qui étudie. C'est peut-être une diocèse qui étudie, diocèse qui a un monde qui fait des études très très poussées. Et puis c'est une diocèse qui pas qui dans en lui-même qui pas généré économiquement moyen pour ça. Mais bon Dieu permet que pas quatre bagages viennent faites des monde qui comprennent, des monde qui aident et qui facilite la tâche à Monseigneur yo et à clergé. D'accord, merci pour bel rale ça. Nous connaît parcours au type au prince ou vini papay, de papay ou aller inch bon côté monseigneur d'Écosse. Mais nous connaît tout ou gain présence ou nan pandiasou. Donc faut y parler nous en plus de présence ou nan pandiasou. Alors ou gen impression que m'oublie côté me sorti m'pas sorti dans plateau c'est mon port au prince moi te dit me sorti et moi oublier c'est mon port au prince
parce que ça fait plus de 50 ans ici, dans le plateau. C'est-à-dire, le plateau central tourne propre pays, pam, il tourne propre côté de vivre. Le plateau central permet de grandir dans la vie. Et si je dis à moi, il y clairement, avec la possibilité, bon Dieu, bon, moi, pour me servir dans l'église, là, by pays à service PAM, et bien c'est grâce à plateau. Et c'est pour ça que moi, reconnaissant vis-à-vis du plateau central, de tout le monde, même qu'un sentiment ça, par rapport à mon gros plateau central. C'est là que j'ai découvert mon gros blanc, j'ai découvert mon gros Jean-Marie, etc., etc., etc. Alors, la femme dit que, à un certain moment, je ne suis pas déplacé pour aller fonder des congrégations, c'est ici que je m'étais fondé lui. Et moi-même, j'étais toujours pas au prince. Mais Pandiassou, ça qui vient arriver, Pandiassou, c'est que le, nous commençons la communauté, c'était dans l'évêché, à côté du séminaire. Parce que en plus de responsabilité communautaire, mon CD Coste m'a demandé pour économe du diocèse. Moi, j'étais économe tout. Alors, pour être capable de faire deux services, économie et gestion du séminaire, alors, c'est un point. Alors, maintenant, le monseigneur de Cos mourit. Bon, là, ça vient de l'administration dans le diocèse là. On était estimé que, plutôt nous allons, plutôt nous quitter l'espace du séminaire et puis nous allons mettre mes communautés de l'autre côté. Et c'est comme ça, Dieu sait là, tu as eu un petit cas et mon Seigneur de Corse t'a fait, il t'a cassé. Et c'est comme ça que moi, pour un frère qui était avec moi, nous étions à peu près 13 comme ça, et puis nous allons te casser, et puis de te casser, nous allons au palais. Alors, te casser, Pandiassou, c'est même bagaille. Alors, donc, c'est ça qui marque la réalité et qui peut permettre que bon Dieu, petit, il travaille avec nous, il travaille avec la réalité pour rendre des bagailles qui humainement paraissent impossibles. Possible. Merci beaucoup, frère Amand. Vous dites-nous en pile belle parole. Et l'on a célébré 50 ans de diocèse là, nous pas célébrer seulement pour que nous créer un événement et puis passer sous les consacres, mais c'est parce que nous voulons profiter de 50 ans ça pour nous garder derrière, pour nous voir tout parcours que bon Dieu fait avec nous, pour nous accueillir avec humilité et dans l'action de grâce tout ça bon Dieu fait nous comme faveur, et puis tout pour nous capables de faire inventaire, ouais, qui côté pour nous capables d'insister beaucoup plus, qui côté pour faire beaucoup plus effort. Donc, il y a des propos de là qui déjà rentré dans cadre et dimension jubiléa, n'a pas pour nous capables de retourner encore avec Ousouli, parce que nous avons demandé avec qui sentiment que ou même ou à vivre 50 ans jubilé diocèse là. N'a pas retourné sur question ça, même si vous déjà répondu en partie. Mais qui t'aime venir avec Père Omel? Père Omel, désormais, vous faites partie de ancien Péo dans diocèse là. Et moi-même, je me dis presque dans ancien yo, parce que j'ai 19 ans depuis Pé, ou même j'ai peut-être combien d'années? J'ai 27 ans. Alors, Père Omel, comme l'a fait histoire, et donc de séminariste, à prêtre journée jodia et toute l'idée me dit que où est le passage où vive passage tous cinq évêques et diocèse là, comment capable brièvement font-il parler de ministère chaque évêque ça yo sorti dans monseigneur de Coste pour vivre journée jodia avec monseigneur? Merci Père Novla. Eh bien, m'a dit le diocèse est fondé le 20 avril 1972, avec Monseigneur de Corse comme évêque fondateur, certes. Monseigneur a été gagné, a été venu avec un seul grand père, un seul grand père haïtien qui était servi le vicaire général. C'était Père Yves Lapierre. Ça, l'autre père, dans le diocèse là, c'était Père Scutio, missionnaire, qui était allé côté reculé, côté monde pas trop
aller parce que Jean-Frère Amantab dit nous, eh bien, route là, eh bien, si nous, qu'on y a un café qui circule, c'est pas toujours qu'on s'alteille. Donc, après ça, j'en dis, a te gagné environ 14 permissionnaires et yo t'ap travay nan domaine pastoral là. Après, vraiment, Jean il saute dit nous, 4 ans après, li vin vini, li accompagné Monseigneur de Corse et puis, diocèse là, te vin gagné 11 paroisses. De nan yo, c'était Pignon avec la victoire, Pignon côté m'soti, M'se Negano, M'se Zinc Pignon. Donc, paroisse sa yo, c'était dans le département Nord. Et puis, deux autres paroisses, c'était mon Ben Cochu avec Bois Laurence, c'est paroisse dans le département Nord-Est. Yoye. Donc, t'es gagné le Sahara, 61 chapelles, et Monseigneur Décos, t'es pour le fonder, yon paroisse, fondé paroisse Saltader. Donc, Jean-Frère Manceau dit nous, Monseigneur Décos parti très tôt, à 56 ans. Je songe ça dans mois mai, les samedis tout jeune, dans 6e, dans le collège, Monseigneur, dans le collège Saint-Martin-de-Porès. Donc, tu es tout jeune, les Monseigneur a mouru. Donc, nous avons à peine fait un an, quelques mois d'expérience avec elle pour la visiter dans le collège là, que Jean-Claude Jean-Baptiste t'a dirigé. Donc c'était un vrai papa, donc ouais, il est à l'aise pour rentrer dans mitan, nous pas tant pile dans l'école là et il jouait avec nous, il passait ouais très souvent dans l'école là parce que c'était œuvre, mais malheureusement donc expérience là était de coup duré. Jour qui était 20 mai 1982, Monseigneur Laroche tournait deuxième évêque diocèse là avec en pile réalisation que li pral fait tant qu'au fondation propédétique là li pral continuer ti séminaire que Monseigneur Décoste quitté li pral construire centre jeune yo li pral construire nouvelle cathédrale là et li pral arriver faire sœur missionnaire de la charité yo Mère Teresa yo venir dans diocèse là et li pral remettre by nord avec nord-est le diocèse Fort Liberté fin fondé il va remettre by nord avec nord-est quatre paroisses était prêté yo et nous pral il pral reprendre toute l'autre paroisse dans bas plateau yo sorti 1998 rivé 2009 c'est Monseigneur Louis Kebro qui pral tourner troisième évêque diocèse là 30 juin 1998 Monseigneur Kebro remplacé Monseigneur Laroche qui était allé en retraite. Il était voyé Monseigneur Kebro, il était voyé en pile séminariste avec en pile paix à l'étudier en France, à Rome, aux États-Unis, en Espagne. Et moi-même moi c'est un dans premier paix qui bénéficiait capital ouverture Monseigneur Kebro qui t'a étudié en France. Avec Monseigneur Kebro, diocèse là prend un essor extraordinaire. Nous vinn en pile expert, j'en tout temps des frères Mandili, dans tout domaine. Nous gagnons 13 nouvelles paroisses qui fondées. Nous gagnons Radio Immaculée qui fondée. Nous gagnons Sœur Salésienne yo qui vini dans diocèse là. Et puis, gagnons en pile activité jeune, pour jeunes yo, tant qu'au parc des jeunes, carnaval des jeunes, cage là, que jeunes yo remet en pile et jusqu'où n'y a. L'autre jour, la photo ouais merveille qui passait dans la caillou, c'était la caillou Benovla dans le palais. Donc, en mars 2008, Rome nommé Monseigneur Kebro, archevêque cap-haïtien, et puis mission Lina Inch était campé là. Donc, sorti 2009, arrivé 2015, c'est Monseigneur Simon Pierre Saint-Ilien qui pourra le tourner, quatrième évêque du diocèse Inch là. Donc, 6 août 2009, Monseigneur Saint-Ilien remplacé Monseigneur Kebro. Il continue série formation Monseigneur Kebro te commencé yo. Il fondé 12 paroisses avec Udes là dans Inch. Et sorti 2016 rivé jodia. C'est Monseigneur Désinor Jean qui tournait 5e évêque diocèse là. Jour qui était 4 avril 2016 là, Pape François nommé Monseigneur Désinor évêque diocèse Inch là. Jour qui était 2 juillet dans même année, il recevoir ordination épiscopale li, et li intronisé dans la cathédrale Inch là. Dans souci pour li redynamiser et puis porter un nouveau souffle spirituel et missionnaire dans diocèse là, il lancé un plan pastoral pour
pour 3 ans qui a débouché sur grand événement que nous avons préparé pour nous célébrer là, 50 années diocèse là, dans le mois avril 2022. Normalement, c'était le 20 avril, mais à cause de fête Pâques là, eh bien, dans la semaine Pascal là, eh bien, nous avons célébré le 24 avril et dimanche Quasimodo. Avec Monseigneur Désinor, diocèse là qui était fondé avec missionnaires et qui était qu'on recevoir missionnaires pour travail évangélisation pour aller tourner un diocèse missionnaire. Nous gagnons en pile paix, en pile séminariste qui dans l'autre pays tant qu'au Canada, États-Unis, en France, en Espagne, à Cuba et en Italie qui a fait mission et yo pour aller mettre Monseigneur Désinor pour aller mettre pastoral proximité à en valeur et tant il fondé déjà plus de 10 paroisses. Et il installé dans souci pour aider population, il y a une grande boulangerie moderne dans la ville Inche et l'a construit un grand cimetière moderne en collaboration avec ti frère ti sœur Incarnation yo pour tout département. En plus, il y a un pile l'autre projet que l'hypoco dévoilé mais qui a l'étude avec conseil li avec conseil presbytéral là pour que les capables aider diocèse là aller plus devant dans l'esprit pour continuer ça premier évêque là monseigneur Jean-Baptiste Décoste commencé et réaliser tout des bagages que il était un gros projet pour réaliser mais que il pas de temps réaliser à cause de coup de temps que il était passé dans diocèse là. OK, merci Père Omel, merci pour belle tranchisme ça. Et merci en pile, même si peut-être tout lit, mais comme c'est histoire à faire, il y a un événement, il y a une date. Donc, au bon moment, il y a un événement, il y a une date. Je me demandais avant de passer ça, Delle Mikoa, d'après mon déferrement, est-ce que tout n'a pas gagné dans le parcours historique ça, quelques événements, quelques dates, ou même tout qui t'est marqué? Donc, ce qui t'est marqué, moi, c'est que Dieu s'est passé en évêque, yo, mais dans le temps qui coûte. Et je pense que c'est tout est grâce. Tout est grâce. Et je n'ai qu'à dire, peuple bon Dieu dans diocèse là, et à profiter de ça. Si bon Dieu fait lui, c'est que lui connaît ce barrière qui est possible. Et lui permet que l'évolution qui passe dans le clergé là, et qui est significatif. Ensuite, je n'ai qu'à dire que tout évêque qui passe avant yo, yo était plus jeune que Monseigneur Jean, Monseigneur Désinor. Monseigneur Désinor arrivait tout jeune. Et je pensais que sous chance inimaginable, bon Dieu fait diocèse là, parce que lui-même, il gagne temps devant. Et puis il gagne vision. Il est jeune. Il est encadré avec une série de jeunes prêtres dynamiques dans le diocèse là. Et moi, je pensais que bon Dieu pourrait permettre que les choses évoluent, aller plus devant. Moi, je pensais que Monseigneur Saint-Hilien, Monseigneur Désinor, il encourageait le centre catéchétique là. Il est venu ici le matin, après quelques années, il n'est pas venu. C'est extraordinaire ce qui est fait. Et ou pas qu'à penser au diocèse sans que vous ne pensez à la formation, jeune, séminariste et puis fidèle. Et je crois que Saint-Emmaüs, qui était fondé par Monseigneur Décoste d'abord, ensuite qui était pris, tout évêque qui était passé à vrai Monseigneur Décoste, il était mis tout chaud dans Saint-Emmaüs. Mais l'homme vient le matin, moi, et aménagement qui fait, ok? Construction nouveau qui fait, ok, projet nouveau qui gagne ici là, ça te frappe en pile et me dit mon Dieu merci pour tout ça moi et me dit merci pour tout ça, il est capable de continuer avec mon Seigneur Saint Désinor, il est jeune, il est capable. Donc nous presque arrivés dans bout émission. Hein? Et mais nous pas qu'à finir émission sans pas mander inviter nous yo à qui sentiment y a célébré 50 ans dans diocèse là et j'en a gardé là c'est que inviter ça c'est de monde qui grandit avec diocèse là
Donc, nous avons commencé avec Père Romel qui va dire nous à qui sentiment ou à célébrer 50 l'année ça avec diocèse là. Ben, c'est d'abord avec un sentiment d'action de grâce. On dit bon Dieu merci pour côté le sorti avec diocèse là et côté l'arrivé avec Lila Jodia. Nous gagnons en pile paix pour nous capables de faire travail là. À tel point, j'aime te dire tout à l'heure, diocèse là tenait, un diocèse missionnaire, un diocèse qui a voyé moun dans mission, qui a partagé, ça nous était qu'on recevoir, et bien qu'on y a nous partager. Donc c'est avec en même temps tout un sentiment de joie, de fierté, parce que nous gagnons en pile moun, et c'est des Haïtiens qui prennent temps pour construire pierre sur pierre, pour arriver côté nous arriver là avec diocèse là et tout grand nom ça yo comme évêque nous sommes cité là eh bien yo même yo bay touche particulière yo pour permettre que diocèse là li capable arriver dans niveau côté arriver là et puis un sentiment tout de gratitude envers bon Dieu oui dit déjà envers père de Skeet yo qui t'a fait un travail formidable un travail extraordinaire qui t'a accompagné monseigneur d'Écosse dans initiative pour fonder Santé Marie qui c'est un grand héritage et un grand patrimoine que moi-même moi t'ai héritier et que moi gain la joindre la grâce faveur bon Dieu pour me capable mettre sous chemin modernisation et qui a continué jodi a et c'est avec en pile certitude tout que nous connaît bon Dieu là et bien là pour aller continuer faire merveille avec nous pour que eh ben Dieu sait nous hein les tourner sans nous pas faire trop ambition il y en a plus grand diocèse qui existait dans pays a. OK moi-même moi pense que bon Dieu merci parce que depuis me venir ici diocèse je te permettre évolution laïque dans l'église en pile en phrase te mettre sur ça et c'est peut-être une dans la diocèse côté que laïque te gain confiance évêque yo laïque bon Dieu te bailler des responsabilités yo te participer dans ça par exemple il y a un gros bagage bon Dieu merci c'est pour Chavan Jean-Baptiste eh bien Mounio évêque yo qui était responsable en particulier monseigneur d'Écosse d'abord et monseigneur La Roche et etc eh bien yo te mette Chavan directeur Caritas et c'est peut-être une radio 16 qui te prend responsabilité et risque faire ça et nous voyons résultat c'est peut-être une radio 16 tout qui te fait que responsable éducation c'est laïque et me dit bon Dieu merci parce que tous les deux mondes sérieux remplacé moi Chavan remplacé moi comme directeur Caritas et puis actuel directeur et éducation diocèse là moi c'est que beau responsable tout alors je crois que c'est la promotion du laïcat. OK parce que au fond nous t'a dit diocèse est décléricalisé ou pas quelque bagaille dans l'église d'Haïti la évolutionni bon peut-être que il pas de choix tout mais riche là te prend quand même riche là te prend quand même. Et nous, par exemple, quand il y a deuxième, troisième bagage, nous avons besoin de dire bon Dieu merci. C'est que pas un pile diocèse qui a une opportunité pour te former laïque, même Jean, etc. Par exemple, ouais, session chant, session danse, etc. Et nous avons dit tout, il y a un bagage qui arrive dans le diocèse. Ça, sous le diocèse, nous avons dit qu'à la limite, qui est toujours réalité. Diocèse n'est pas jamais grandi. Outil élite intellectuel, outil élite ci, outil élite ça. D'accord. Sous diocèse, tout le monde fraternisé. Sous diocèse fraternel. Le diocèse qui te baille tout le monde égale chance. Qui connaît tout le monde capable, mais ou même bon paysan. Et te gon bagaille comme ça. Et parce que tu
me dit ça. Yo te introduit dans diocèse là et qui est-il non? Parce que même tout, il peut toujours un choix tout. Yo te obligé reposer sur la équipe. Yo te obligé faire confiance et nous avons un résultat. Regarde ça. Même sur le plan social, des laïcs qui formés par l'Église et qui engagés dans la société là. Et qui, la politique, ça a été de grandes responsabilités. Et nous, tout ça, on était capable de porter de positif. Et quoi, nous avons besoin de dire bon Dieu merci. Nous avons besoin de dire bon Dieu merci pour l'initiative de ça, ça prend sur l'éducation. Et nous avons dit, si nous avons un journal Bonne Nouvelle qui a un impact en Haïti, qui a dans le milieu populaire, dans le milieu paysan, dans le milieu pauvre, nous avons dit que pour beaucoup dans ça. Et c'est l'occasion tout pour nous profiter, remercier publiquement les pères de script. C'est vrai, ils parlent de diocèse encore. Mais ils quittent tracé. Ils n'ont dit bon Dieu merci pour ça. Et voilà, et, amis téléspectateurs, téléspectatrices, nous arrivons dans bout première partie et première série émission que n'a animé dans le cadre jubilé diocèse là et nous avons fait un parcours historique et parcours historique diocèse là permet nous comprendre que événement jubilé que n'a célébré a les bon nous vraiment possibilité pour nous capable faire une évaluation et dans évaluation ça nous sommes découvrir que grand pile raison pour nous considérer 50 ans ça comme 50 ans d'action de grâce pour toute faveur bon Dieu les réaliser dans la vie diocèse là pour tout chemin que il fait avec lui et n'a constaté que frère Armand pendant la conclure mission c'est il pas garder nous mais regarder les gars dans l'air c'est comme pour le parler avec bon Dieu et qui t'écrit d'action de grâce lui et sorti dans cœur pour dire bon Dieu merci pour tout ça et bon Dieu fait avec nous dans diocèse là pour présence li dans tout évêque yo qui que li même li était placé dans tête évêque là pour capable conduire et peuple ya. Donc c'est une très belle histoire que moi souhaiter que nous te retrouver nous petite inch qui te vive tout événement sa yo qui peut-être kounya ancien qui là ou qui à l'étranger et tout si là yo qui pas connaît histoire diocèse ça et cap découvrir moi souhaiter que nous te passer un bon moment avec nous. Mais m'a demandé nous rester avec nous parce que c'est première partie émission nous pral enchaîner tout de suite avec deuxième partie a donc m'a demandé nous rester puis nous aller en attendant m'a demandé Sardel pour capable remercier intervenant yo. Donc c'est un grand plaisir pour nous t'accueillir frère Amand. Merci frère Amand pour présence pour ça ouyer dans diocèse Inch. Merci également à père Romain Lestache pour présence dans l'émission ça mais tout pour tout ça fait tout ça aider l'église réaliser dans diocèse là merci le diocèse de Inch a préparé pour le fêter 50 ans depuis qu'il existait là nous arrivons dans 50 ans ça veut dire nous dans un présent qui sorti de au passé donc 50 ans c'est pas que nous pral camper. Au contraire, 50 ans, il va déboucher sur d'autres activités pastorales, sociales, pour nous capables d'arriver à un autre 50 ans encore. Et qui ça demande? Ça demande effort. Ça demande que nous tous nous mettions ensemble, que nous tête ensemble et à tous les niveaux, pour que après nous finir fêter 50 ans ça, nous joignons nous comment nous capables préparer nous davantage. Pour un autre 50 ans qui pral marquer le diocèse de Inch et tout le pays en général. Donc dans ce sens ça, nous disons bon Dieu merci parce que Liban nous possibilité pour nous capables et bien célébrer plusieurs événements déjà et qui pral mener nous dans 50 ans ça et nous disons mon Seigneur Désinor merci pour façon que lui prend à cœur et 50 ça nous dit merci pour façon que li kembe nous li aide nous pour nous capable et bien faire en sorte que 50 ans ça nous pral fêter a li bien fêter avec fidèle nous tout nous content et nous capable et mettre tête ensemble pour nous travailler davantage pour l'autre 50 ans plus belle et plus grandiose.
Téléspectateurs, téléspectatrices, Jean-Père Novla Sodila, Konyala, nous retournons avec deuxième série dans première émission nous pour nous présenter. Aujourd'hui, nous avons avec nous deux invités. Premier invité, c'est M. Chavan Jean-Baptiste et deuxième invité, c'est Sœur Emmanuel Victor. Bonjour, Sœur Emmanuel. Bonjour, m'ap saluer toutes amis yo ki la et m'ap saluer toutes téléspectateurs, téléspectatrices. Moi c'est Emmanuel Victor, petite sœur de l'incarnation. Merci sœur Emmanuel. Bonjour monsieur Chavan Jean-Baptiste. Bonjour. Bon ap saluer toutes téléspectateurs. Et n'a pas salué Santé Maïus. Et côté Mchita là, pied bois ça, c'est la première première péminière. Les moins rivés papaye. Donc, content pour moi, c'est là, interview pour Jubilé Diocèse la fête. C'est un gros plaisir. Nous profiter de saluer et toutes fidèles, toutes paix, religieux, religieuses, et Monseigneur Désindor qui est là avec nous. Et dans Dieu, ça s'est changé aujourd'hui. Merci. C'est avec grand plaisir que nous accueillons deux invités. Maintenant, nous avons quitté nous ensemble avec Père Novla, garçon qui a bien pour poser la première question. Bien évidemment, pour nous capables faire l'histoire de Dieu, c'est là, il demande pour nous capables à regarder tout acteur, tout silaïo que l'Esprit bon Dieu même te agit dans yo. Pour être capable de porter Pierre Payot dans la construction diocèse là. Donc, c'est au fur et à mesure que nous avons découvert toute une série de personnalités qui étaient engagées dans sa diocèse là, aujourd'hui, nous avons Monsieur Chavan Jean-Baptiste que nous avons recevoir, non pas avec couverture homme politique, mais nous avons recevoir comme une petite diocèse là. Qui te joué des rôles, qui te gagne des responsabilités en dans diocèse là. Donc c'est avec regard ça que nous avons accueilli M. Chavan. Et puis, nous avons remettre au micro sans que nous pas en question explicite pour vous, mais tout ça que vous pensez, que vous songez, que vous responsabilité que vous avez gagné dans diocèse là, eh bien, nous avons content pour nous capables d'entendre. Oui, c'est avec plaisir, moi. Recevoir micro pour parler de diocèse Hinchelan que me connais vraiment bien et parce que moi-même c'est petit un sacristain et Bassinzim et papa me c'est lui qui t'a fondé chapelle Bassinzim et moi t'ai grandi et dans famille ça et après madame même t'a étudié te gagne un père et père Richard Kokit et qui était en Chine, il était persécuté et il était venu en Haïti et c'est ton père d'escut, il était dans paroisse Los Palis et me songer l'aime d'apétidier, il était toujours dit me garder l'eau fini faut tourner oui venir travailler avec nous dans paroisse là parce que Bassinzim te fait partie paroisse Los Palis et bien effectivement, l'aim fini moins accepté et pour faire papa me plaisir surtout et tourner et n'a pas avoir ce palis. Écoutez, Père Richard te dit qu'il va faire expérience et développement et agricole parce que là ça parler de pastoral social l'église là et Pape Paul VI te dit l'autre non évangélisation c'est développement. Donc et père a voulu faire une expérience et comme ça c'est en juillet et c'est en octobre 70 m'té commencé travail dans paroisse Los Palis et puis et père a demandé en janvier pour me venir papaye et dans une formation qui t'a pas commencé et c'est là ça et centre ça qui est les maïs jodi a télé SICAP centre initiation catéchétique et agricole la papaye et t'apprends gagner une première promotion, une vingtaine de
sacristain que yo t'a parlé les messagers qui t'a venir pour une première formation yo. Bon moi me dit père ça pas intéressé pour me venir bah comme ça mais et monsieur dit me la bon et pour aller étudier catéchèse et aller étudier la Bible donc pour m'accorder ça avec travail agriculture mando pour faire et me accepté venir papa et là et première promotion et SICAP et moi t'étais là et moi t'étais suivre toute session hein. Mais pendant session hein, et t'ai gagné un agronome vital qui était responsable pour faire formation agricole. Monsieur t'ai commencé grand monde peut-être dans l'âge mi aujourd'hui a mais li paté et qu'on écrit créole, li paté étudier créole paté à la mode. Il y a des difficultés pour faire couyo et moun yo pa de gen gros niveau académique te gen difficulté pour comprendre mais là ça père Joseph lui-même père Joseph Berman son pesque qui lui-même te directeur centre là lui-même il te connaît parce que me te qu'on écrit et depuis me étudiant na bonne nouvelle écrit cou agriculture en créole et père Joseph te mandé pour faire couyo bon me pas d'accord. Et ben finalement nous t'ai joignon entente moi t'ai fait couyo et qui t'ai fait que moun yo toute la cour ça t'ai commencé gen jardin et finalement moi fini me retourner l'hospitalis et laisse après Joseph ça pral faire des marches pour me tourner venir responsable secteur agricole dans centre Emmaüs parce que premier moun qui t'ai dit là yo premier groupe là t'ai mandé changer nom pour le centre là Emmaüs parce que c'est comme si yo vinn là yo rencontré Jésus-Christ et puis et même j'ai dissipé maïsio qui était tout nal porter bonne nouvelle là et bien même yo dit c'est message qui pour porter une bonne nouvelle et Saint-Lan vinn relé Emmaüs et moi-même m'ta pral tourner donc diocèse Hinch fondé en avril et en avril 1972 et moi-même d'après le rivé papaye en juillet 72 donc moi rivé papaye en juillet 72 et là ça d'après le faire connaissance avec monseigneur Descoste qui était premier évêque diocèse là et monseigneur Descoste après le nommer conseiller agriculture pour Caritas Hinch et en 1975 donc moi-même dans Santé Maïus et moi j'étais responsable formation et formation agricole et puis éducation familiale et dans Saint-Lan et sorti et juillet 72 j'arrivé et m'étais resté et travaillé dans Saint-Lan jusqu'à 89 mais en 75 monseigneur t'a pas nommé conseiller pour agriculture dans diocèse là dans Caritas Hinch et en 77 après Caritas direction nationale là t'ai venir faire une formation pendant une semaine et là ça monseigneur t'ai gain chance pour nous faire une semaine ensemble il vient découvrir me bien et dans fin séminaire il relé me dans bureau il dit bon j'aime comprendre Caritas là c'est ou même qui pour directeur Caritas Hinch. Et c'est comme ça, monseigneur d'après le nom même, directeur Caritas Hinch en 77. Donc, nous avons fait 12 ans et directeur Caritas. Et là, je me songe, bon, Santé Maïus, c'est un centre animation pastorale et diocèse là. Et je me songe, et travail que Santé Maïus a fait, eh bien, pour faire promotion. Et chanter créole et battre tambour danser pour entrer et qu'il tue peuple là puis font dans liturgie et là diocèse hein j'étais déjà pour aller en référence côté mon absoti dans toute diocèse vient apprendre battre tambour vient apprendre chanter on l'autre bagaille et qui était important c'est travail et formation et avec monsieur Bernard qui d'après le ministre de l'éducation nationale t'a fait pour former
et professeur pour l'école l'église yo, eh bien Bena est vraiment te marqué par travail que l'a fait. Il aime vinn et directeur Caritas avec monseigneur nous t'ai décidé ouais comment nous pral et pousser et créole et dans l'école diocèse là parce que nous t'ai gagné des mères belges qui eux même font expérience mon bien cochu et la victoire et bien côté ont introduit créole dans l'école et ça t'a pral bailler un résultat extraordinaire côté ti moun qui t'a appris en créole pendant 4 ans et puis qui allait dans examen certificat c'est eux qui fait plus bonne note pour français et ben ça t'a marqué et les malé dans paroisse comme directeur Caritas et là nous t'ai bien décidé mettre campé un programme et programme l'école Caritas dans toute diocèse là en créole et nous t'a pral produit livre pour l'école primaire et à partir de Jean Bernard lui-même l'était et encourager ça et nous te mettons un gros programme qui t'a pral prendre toute l'école dans diocèse là et l'école dans tout pays a t'a pral bénéficier et travail Caritas parce que les Bernard vin ministre et bien il était décidé prendre livre Caritas un show pour faire tourner livre et éducation nationale donc et nous te travaille dans plusieurs secteurs et développer secteur santé secteur agriculture et bien secteur éducation et en dedans Caritas et si bien que et diocèse Hinch nous te premier diocèse côté nous t'apprale font analyse sous question et manger et sinistré et qui bien souvent fait plus mal passer bien et bien nous t'a promouvoir production agricole dans diocèse là et nous capable dire bon et si l'aime devenir dans diocèse Hinch bon disons fait grandir dans diocèse là mais c'était seulement paix et paix blanc qui t'ai gagné et Jean-Pierre Romel te dit c'est seulement Père Yves Lapierre qui t'est venu avec monseigneur de Coste et au fur et à mesure diocèse là vient tourner un diocèse est vraiment haïtien et je dis à ce qu'on cherchait et yon père blanc et bien et tout père yo c'est père haïtien et c'est petite diocèse là et si me prend côté mié là papaye et bien Santé Marius qui là et ou gagne frère Saint-Thérèse qui était là et bien c'était paroisse Los Palis après ça papa il vient faire partie paroisse Bassinzim et jodi a paroisse et papa il tourne paroisse donc yon paroisse gen ta tourne trois paroisses et Jean-Pierre Romel t'a expliqué Jean diocèse la grandi et bien nous quoi c'est yon diocèse extraordinaire. Merci. Et une belle histoire, je pense que vous avez pour retourner sur lui encore, mais nous avons l'autre invité, donc nous avons passé le micro. D'accord, merci Père Novla. Et Sœur Emmanuel Victor, nous connaissons aussi nièce Monseigneur Décos, qui est premier évêque diocèse là. Donc, est-ce que ou c'est mon plateau central? Est-ce que c'est vini ou vini? Dans qui moment t'es vini? Et l'autre est vini? Est-ce que t'es ta sœur? Oui, moi c'est nièce Monseigneur Décoste. Et j'étais quatre dans la famille là. Maman t'es aînée, j'étais seule fille. Et puis après Monseigneur Décoste. Et puis on l'autre tonton encore qui paie. Et puis dernier encore un garçon. Mais c'est maman avec dernier garçon qui est marié. Donc, et nous 10 petites, et nous sommes très 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 gâtés par Monseigneur parce que nous sommes avec elle, il n'y a pas de petites, tout le c'était nous-mêmes. Pour vacances, nous allons en vacances la Kaili, tout le bagaille. Et moi, c'est mon sud, nous originaire de Saint-Jean-du-Sud.
En 78, le monseigneur te gagné secrétaire qui t'est venu voyager. Moi-même le sam t'ap travaille dans le ministère des Affaires étrangères. Monseigneur m'a dit moi pour me venir joindre. Et c'est comme ça en 78 moi rentré, moi joindre. Mais moi pas de co religieuse. Mais m'étais pensé à ça, mais au projet secret parce que ça m'était voulu vivre là en bas ouais. Aucune congrégation qui répond ni, et puis c'était tellement bizarre ça qui a passé dans tête moyen. Est-ce que je peux parler ça dans la famille? Qui moun moi qui a dit parole ça? Parce que moi envie vivre un bagaille, mais qui pas gagné dans aucune autre communauté. Et puis un jour, frère moi vini la caille nous, vini porter une lettre que ton Jean-Baptiste, Monseigneur. Excusez, que Monseigneur voyait pour nous, et puis me rencontrer lui pendant ma soutenir notre travail, et puis nous aller lui retourner là quand nous commençait parler. C'est la première fois que m'était ouvri, m'était parlé de bagaille, de projet ça, projet secret ça que me gagnais. Et puis moi dit frèrement, moi voulais faire religieuse, mais on style la vie tout simple dans mi temps monde. Et puis pour me zami avec Mounio, et puis c'est une amitié pour me faire connaître, découvrir bon Dieu. Mais pas gain ça dans aucune congrégation, bawel qui ça pour me faire. Et puis il parle et puis il dit moi, mais c'est Charles de Foucault. Me dit qu'est-ce que Charles de Foucault? Et puis il dit m'a porté un livre moi tout. Et puis il porte un livre ben moi, et puis l'homme commence à lire moi ouais c'est ça. Donc c'était difficile pour moi de quitter travail moins et parler de ça à famille moins pour me dire pas parce que je voulais faire religieuse mais ça moi voulais vivre là. Bon. Et puis le monseigneur m'a dit venir, c'était ton occasion pour me quitter Port-au-Prince, quitter famille là pour me venir. Alors chaque matin, moi fais secrétariat et puis après-midi, moi parti avec Fréyo. Moi aller terre cassée, le ça a été dit terre cassée mais kounya nous relé le pandiasou et moi aller et puis c'est comme ça on commencer visiter mounyo, visiter et mesdames yo, faire ami avec yo, parler avec yo, c'est yo même qui montre comment pour me planter, qui montre tout bagaille dans la vie rurale parce que me bat connait rien. Et puis un jour puisque me parler ça avec frère moi, il dit me consent tisseur de Jésus a venu à Haïti. C'est ça me voulait vivre là, c'est comme ça yo vivre. Et puis elle me dit ah eh bien faut me parler ça avec tonton parce que si me pour m'entrer dans communauté, m'a obligé quitter. Et puis moi songer moi dit le consent ou comme tisseur de Jésus yo. Il dit moi me connais yo Charles de Foucault spiritualité Charles de Foucault moi dit oui et puis moi dit yo intéressé non il dit ou intéressé par yo me dit oui il dit moi pas là où sont ils ceux de l'incarnation et puis moi dit mais il pas existé c'est frère seulement qui gagne il dit mais Emmanuel fondel moi dit non ton Jean-Baptiste non pas capable. Mais ou capable, c'est ça ou vivre là, chaque après-midi ou parti. Bah quand qu'il le frère ou mettez quoi dans cou. Et puis il passait ça dans jouet. Et puis moi dit lui non, moi pas capable, préférer aller à l'école de Jésus, me senti c'est ça. Il dit me bawo la caillou non. C'est vrai, yo vu simple mais le moins ou plutôt gagner un charisme pour t'engager. Tandis que tisseur de Jésus yo prend condition mon yo. Bawola non bon et ben pas l'autre congrégation Haïti m'a brali là et c'est comme ça moi décidé aller Martinique pour faire stage catisseur de Jésus moi songe l'homme brali il dit Emmanuel ou pour aller vrai ou pour aller catisseur Emmanuel son tisseur d'incarnation oui moi dit ton Jean-Baptiste il pas existé il dit fondel en comme Dieu ça fondel. Je me dis non, trop tard, quand j'ai fait des moches, je vais aller. Et puis, après ce stage-là, je suis rentré, c'est juste ça, il est mort.
2 heures m'arrivé à l'hôpital là, 2 heures après que m'arrivé, il mouri. Comme ça il ouais parti mais il pas connait qui s'est passé parce que il mouri même jour rentré sur Martinique. Moi aller quand même qu'a été sœur de Jésus. Et puis l'homme commençait à vivre, moi ouais ça te dit non c'est vrai. Dit non, c'est pas ça. C'est pas comme ça. Et puis moi quitté. Je bien m'a vivre comme ça puisque ça pas existé. Et puis moi comme moi retourné, on commencé travailler encore avec mesdames yo, m'aller dans campagne, monter dans monde travailler avec eux. Et puis en 83, mon genou bouge pour m'aller en Suisse. Moi parti en Suisse. Et puis c'est pendant moi en Suisse qu'il y a toutes mesdames qui m'ont travaillé avec eux pour aller caï frère yo puisque me balan encore. Et c'est le sang vraiment ouais nécessité pour gain branche féminine non puisque yo pas capable répondre mesdames yo mais tu as venu ce manou pas là bot ko religieuse mais tout terre ce manou qui ça n'a fait yo venu côté frère yo. Et c'est le ça décision prend pour moi fonder pour nous fonder tissu de l'incarnation. Et puis en 85, le mot retourné en 80, en 85, le nous retourné, moi continué suivre quelques cours encore dans grand séminaire. Et puis, et 6 août 85, nous commencé fondation. Mais moi pensais que ton Jean-Baptiste, mon Seigneur, côté lié, il est très content parce que les Wessal Tab dit maintenant, il arrive vrai. C'est ça, il était vrai. Donc voilà, nous voyons que relation avec Monseigneur Jean-Baptiste, c'est une relation qui était soudée. Et que nous remercions déjà pour tout ça ou fait dans le diocèse Inch. Et mais en tant que monde qui a initié la congrégation, sa tisseur incarnation, comment par rapport à avant et puis qu'on y a comment ou ouais question vocation dans la communauté ça. Bon, c'est sûr là nous t'ai fait commencer c'est pas un bagage qui était facile. Et le moins dit ça parce que même mon ou consacrer la vous pour yo pas trop comprendre. Et moi songe on le nous dans jardin et puis et nous gon wash nous pas ka retirer et puis moi camper sous mara et puis moi deux monsieur a passé et puis moi dit frère venez d'en et puis gagne une kiti moi remet ou ti mais ça yo moi remet ou yo et puis il a dit qui est ce mais quand on connait mais aller dans jardin quand on met en pantalon parce que le nap travail nous met du pantalon quand on met en pantalon mais aller dans jardin mais c'est dans bureau li chita robe blanche sur li li bagaille yo dans marché ça y pas mais et puis kounya moi tande li et puis petit frère vin aider et puis ah li wèm gèlè tande li li gêné pour vini et puis petit vini puis là li vini fè nous tout dans jardin hein? Et puis yo aider nous mais li gêné pour ça. Et puis moi dit les consens et le Jésus le bon Dieu voyez petit là sous terre Jésus c'est bon Dieu était venu sous terre il était comme ça il y a peut-être qu'on est qui est qui était pourtant il était vivre dans mitan pauvre il était vivre avec eux pourtant il était bon Dieu. Me dit comme ça ou pas penser ça qu'a recommencer encore si on m'a fait fort pour vivre pour bon Dieu. Il dit oui ma sœur. Il dit moi oui ma sœur et puis moi dit ou c'est frère ouais pas capable faire ça ou même ou aider me dit c'est comme ça nous pour le faire oui m'a pédo dans ça me capable et puis ou aider dans ça capable. Et puis c'est comme ça monsieur ça qui te dit bagarre là c'était pi bon ami nous te gagner. Il vient tourner un bon ami pour fraternité. Quel que soit ça n'était gagné nous reler li tourner li aider nous et donc c'est pas c'est un style de vie tout à fait t'as dit nouveau et li difficile comme si que moun yo rentrer dans style ça
Oui. Et donc, il est difficile. Ou j'en ai monde qui comprend, ou j'en ai monde qui ne comprend pas. Ou j'en ai monde qui admire nous, ou j'en ai monde qui ne admire nous. Ou j'en ai jeune qui remet, ou j'en ai jeune qui, là, il vini, il a demandé une série de bagages. Nous ne mettons pas de robe blanche, je dis non. Nous ne mettons pas de talon qui quitte avec bas, je dis non. Ah! Mais nous sommes un mec spécial. Je dis oui, nous sommes un mec spécial. Je dis le charisme nous mandé pour nous vivre comme ça. Alors c'est parfois très difficile, même pour jeunes, pour comprendre. Mais je crois que c'est une très belle vie. Parce que et c'est un effort quotidien pour nous vivre et faire effort pour sembler avec Jésus. Nous pas porter un apparat que peut-être jeune nous a cherché à pas gagner mais le témoignage de vie nous parce qu'il y a besoin. D'accord, merci ma sœur pour témoignage ça. Mais pendant on parler à une question vient dans tête moi pour demander pour kounya là combien nous y est, est-ce que nous gagne l'autre dans l'autre endroit nous gagne communauté ça encore. Oui, kounya nous 25 ans tout. Mais en pile jeune essayé, yo comment dire, c'est difficile, yo pas rester, mais nous 25, nous dans 9 et nous dans 4 diocèses, nous dans nord-est, nous dans l'ouest, nous dans sud-est et puis nous dans centre. Ça fait en tout, nous gagnons 9 fraternités. D'accord, merci Sœur Manon. Nous allons retourner avec M. Chavanne. Et je vous dis là, M. Chavanne, si nous sommes capables de en bas Pied-Bois, au songer que vous n'êtes pas le monde qui a planté Pied-Bois, ça y est. Et Caritas, vous êtes directeur Caritas et 50 ans. Alors, jeudi, Caritas, l'irrité encore organe pastoral social et diocèse là. Ça veut dire où t'es parmi les Ndaradi Wash et que diocèse l'a fondé Souli. Maintenant et en nous garder journée jodia et comment ou qui regard ou gagner par rapport à moment côté là yo rivé journée jodia comment ou diocèse l'a évolué qui ça qui était encore Bolakayo comme un témoignage et puis m'ajouter tout. Qui qualité attachement que vous toujours gagnez jeune jeudi avec diocèse là? Bon, effectivement, j'aime te dire li l'aime vie ni papaye en juillet 72, c'est là dans placement ça même de fait première pépinière que me fait en dedans centre là. Et là et majorité pied bois planté dans centre là, c'est dans pépinière ça là dans placement ça. Et que gros pied mango salil était déjà là et nous t'ai fait première pépinière et si m'a regardé évolution et sainte ça même sainte Emmaüs et qui c'est une référence dans diocèse là et bien son sainte qui grandit l'aimté là et bien nous t'ai gain 11 tikay et non 19 tikay et c'est 20 cailles en principe pour recevoir 20 familles. Eh bien, je dis, et les wap gade centre là et bâtiment ça t'est là, c'est là et père yo t'es gain pec t'es resté là et père Joseph t'es resté là, mère yo t'es resté là, mais tout gros bâtiment que ouais là yo dans centre là je dis yo pas de cola. Donc Saint-Lan il grandit et il grandit physiquement, il grandit tout diocèse là il qui était commencé tout petit et me songe en 1975 tu gagne des paysans qui victime des abus dans troisième section là et des grands groupes paysans qui t'a pral porter plainte et nous te voyons lettre
pour dire bon qu'on y a c'est diocèse gon évêque là eh bien nous mettons en copie nous écrit colonel la belle Jérôme mais pour porter en copie lettre pour monseigneur Decoste et monseigneur Decoste qui était accueilli et 46 paysans et li parla avec eux recevoir lettre là il cherchait comprendre ça qui passait li relé préfet paysan il va joindre préfet et préfère accompagner et paysan yo jusqu'à arriver dans révocation chef section ça donc et depuis là ça et paysan yo te commencé senti qui Jean et monseigneur te voulait accompagner yo et bien monseigneur Decoste c'était un évêque très simple et qui accueilli Jean-Saint Emmanuel Dia, bon peut-être c'est bon côté tonton ou prend ça et pour Jean le très simple et qui calme mais qui tape travail et pour diocèse là capable et avancer et me songe l'aile malade et bien et c'est pendant le tape fait babali li couper un petit bouton qu'elle te gagne et puis li commencer bay sang et moi t'ai dans évêché a et là yo prend pour en travel pour au prince et c'est le lendemain et c'était en surprise général li mouri et bien le diocèse là t'ai gain temps commencer prend racine et père Yves Lapierre t'apral et Kimbé et diocèse là et comme Père Lapierre il était dans paroisse Los Palis, il était responsable dans centre là, moi j'étais habitué avec elle, me vient directeur Caritas, et bien nous travaillons ensemble. Les monsieur La Roche vini et bien monsieur La Roche nous rencontré plusieurs fois pour expliquer le travail Caritas a fait et lui-même il entré dans Corée travail ça hein? Et bien nous t'a pas développer un gros programme santé, un gros programme agriculture, un gros programme éducation, donc pastorale sociale. L'église là est avancée et les wap gade, Jean diocèse là grandit et sous tout plan. Donc sous plan et m'ta dit infrastructure et centre là, c'est Santé Maïus, c'est un exemple. Mais sous pral gade Jodi a Caritas et nous te gagnons un petit bureau dans la cour évêché. Après ça c'est ici n'a papa il m'a transféré et bureau a et bien les m'a quitté nous faisons un petit bâtiment et bien qu'on a sous ouais infrastructure et Caritas développé après et dans un son bail extraordinaire. Donc et diocèse là grandit en pile séminariste en pile eh bien, je dis à nan yon section communale ou ka jwenn 4-5 paroisses, alors que yon paroisse c'est un gros territoire. Et nous pensons sous plan pastoral et question liturgie nan diocèse Hench, parce que c'est diocèse côté créole te commencé plus prend pied et question utilisation et tambour, danse dans liturgie, eh bien, c'est en référence avec toute session chant qui fait chaque année dans diocèse Rennes, notamment dans Santé Maïus, formation et professeur, et je dis à Caritas Rennes, et il y a des actions dans différents domaines, l'apmenin. Donc, nous avons dit sur toute planète, diocèse là, li grandit hein et chaque et nouveau évêque eh bien porté et design payo hein qui aide diocèse là avancer et je dis à penser et son diocèse qui toujours a grandi mais moi même qui t'ai ouais a grandi eh bien me trouver progrès qui fait dans diocèse là en commençant par côté nous y est là c'est un bagage extraordinaire et ancienne cathédrale là
ou malgré c'est une cathédrale et jodi a qui doit une importance capitale étant donné que c'est première l'église qui était construit et dans Caraïbes là même et l'église qui vient tourner et cathédrale et bien bon moi c'est la Roche vient faire et une nouveau cathédrale et travail moi c'est la Roche fait hein depuis n'a fait plan et plan cathédrale ça il était gagné et Neville qui travaille avec et tout le monde a metté main et pour permettre diocèse la vin salier jodi a et nous penser et moi-même de 80 de 72 et jodi a pour arriver dans 50 ans ça yo et m'té wè diocèse a grandi et li atteint au niveau m'ta dit et qui fait et toute fidèle catholique et tout monde qui vit dans plateau central là content et ouais progrès diocèse ça. Merci monsieur Chavan Jean-Baptiste. Donc nous presque arrivé dans fin émission mais nous pas qu'à finir émission sans nous pas poser question ça avec moun sa yo que nous wè qui grandit avec diocèse là qui était là depuis le commencement et jusqu'à journée jodi. Donc question 1, c'est avec qui sentiment n'a vive 50 ans l'année? Avec qui sentiment n'a vive 50 l'année et dans diocèse Inch côté que nous pral fêter le 24 avril qu'a venu là. N'a quitté sœur Emmanuel répond et puis après monsieur Chavan a répond. Merci. Bon, le moment où toute préparation ça y ça retourne moins dans début à et moi ouais progrès tout progrès qui fait et route parce que le Dieu ça a commencé pas te gain route pas te gain toute bagarre était difficile pas que gros évêché qui construit. Donc toute bagaille était à faire pas te gagner qui était là déjà ouais pas de gagner infrastructure. Donc le moins ouais toute évolution qui vient gagner parfois m'a dit moi sûr que et monseigneur Decost côté lié à li content. C'est vrai li commencé et puis ça pas arrêté. C'est comme si tout rêve li te gagné yo li aller et puis yo continuer, y a continuer, y a continuer. C'est comme si vous t'a dit que l'esprit continue encore et à animer diocèse là à travers l'autre évêque qui vini parce que il était pourtant pile rêve pour te faire toute bagaille et particulièrement te gagner une sensibilité pour paysan. Bon parce que il est sorti d'une famille paysanne. Il était une grande sensibilité pour ça et il était rêve comment comme les gens que nous avons besoin d'une incarnation vivante et quand il m'a venu comprendre le nous joindre écrit lio me venir comprendre pour que ça t'a insisté pour petit sœur de l'incarnation comprendre vivre rester soit vivre là rester là parce que il était en vie vraiment que gagne une congrégation qui encadrer paysan yo parce que li di yo plus qui encadrer paysan yo. Donc jodi a deux communautés ça yo campé moi sur li content parce que bon Dieu fait ouais que rêve li te gagné li réalisé et tout rêve li te porté pour diocèse là moi songe et ordination et monsieur l'évêque le sam te allé avec lui c'était premier père li te ordonné. Moi t'ai allé te faire ça la caille pour l'évêque. Donc et beaucoup jodi a c'est vrai comme monsieur Chavan dit jodi a diocèse a vinn tourner un diocèse haïtien. Donc moi pense que côté lié a li vraiment content et moi crois que l'esprit là vivant dans diocèse. Alors moi m'paté même songer et année ça t'a pral fait diocèse là 50 ans. M'te toujours fait ça songer que MPP pral gen 50 ans l'année prochaine. Et mais elle vinn
Et c'est madame moi après une présentation qui était faite sous programme ça qu'on va gagner pour jubilé diocèse là rappelez-moi ça et après ça et mon père Romel de parler avec mon seigneur parler avec et parce que jodi a et moins pas gain même engagement dans l'église là mais un proverbe qui dit faut songer la pluie qui te lève maïr là et bien mouvement paysan papa il prend naissance là dans Saint Emmaüs et côté que nous te partager et Saint-Lan avec et travail avec paysan yo travail pastoral et vraiment dans diocèse Hinch et depuis le commencement ça te marré ensemble et Caritas vient continuer et à faire travail ça et nous-mêmes nous rete et m'connais tout partout et souterrain côté organisation paysan yo y a travail ensemble avec l'église là et bien nous ouais c'est à peu près en même temps et MPP a bien 50 ans et à un an après 50 ans diocèse là et nous vraiment et content et c'est pour ça jodi à la moins là et pour participer dans interview ça pour bailler témoignage et parcours et diocèse là et nous penser 50 ans ça yo et l'église là gain doit fêter et l'église Hinch gain doit fêter parce que progrès yo énorme et Jean Chessé à Tabdil et bien on carte sorti Hinch ou pral et Port-au-Prince et bien on font se mettre en route donc et jodi a moun ki te connaît situation ça jodi a pas ka imaginer Jean le Teye certainement c'est Emmanuel te kon fait quelques jours en route et donc et sou pral tout partout dans diocèse là et bien son diocèse qui grandit et qui grandit nan base li et ou gon série de paroisses qui nan tout monde m'a songé et lèm té al meté yon dispensaire et nan tête monde en gourmand on dispensaire Caritas et bien et moun pa ka imaginer lè ça en gourmand t'a pral gen diocèse et t'a pral gen paroisse et bien jodi en gourmand tout n'est paroisse donc m'ba c'est jodi a c'est tout chrétien et tout quel que soit et religion yo et bien qui certainement est content que Dieu s'est enchlan et rivé atteindre niveau l'atteindre là dans 50 ans et ça moi même m'a souhaité c'est que dans 50 ans les diocèses la fêter centième li et bien vraiment et plateau central là ka déjà semblé un paradis et un paradis terrestre côté tout le monde a vivre bien. Donc c'est moment pour nous mettre fin à émission ça mais avant nous finir nous pas capable remercier invité nous yo. Nous est que parcours yo dans diocèse Hinch c'est parcours yo sorti loin et jusqu'à présent yo là. Yo là pour yo témoigner ça a été ouais ça a été vivre ensemble avec nous. Merci sœur Emmanuel, merci monsieur Chavanne Jean-Baptiste. Moi voulais élargir remerciement ça à nos toutes amis téléspectateurs téléspectatrices qui t'app suivent deuxième partie première série émission nous dans cadre jubilé diocèse là. Moi voulais dire merci tout à toute petite diocèse là. C'est là qui là c'est là yo qui à l'étranger et qui suivent nous tout et qui participent avec nous de loin ou de près dans réalisation quantité événement ça yo. Donc rendez-vous à les cassé pour le 24 pour solennité jubiléa mais nous gagne pile activité qui venir même j'en nous gagne en pile qui passait déjà. M'a rappelé pour nous tous que dernier événement en date c'était match football que Payo t'a joué
en face à la police et dans dimanche 27 mars qui s'est passé là et qui était mbao résultat sous pas de connel c'est que nous même payo nous te battre la police 2-1 donc nous gagne pour nous reprendre match ça dans Mirbalet côté probablement nous pral encore battre la police avec un plus gros score. Alors, restez vivants avec nous, événement Jubilé Diocèse là, c'est là donc nous mettez fin à émission série d'émissions ça yo pour aujourd'hui à. De toute façon, nous casser rendez-vous pour deuxième série émission hein, qui pral fête sous dimension pastorale et diocèse là. Donc, restez branchés évidemment avec nous pour deuxième série émission. Merci, c'est la nommée des bouts. Merci. Merci.